Alors, j'ai pas eu la patience d'attendre de vous faire ça dans ma vidéo de ce soir. Alors, je vous montre les trois livres que j'ai commandés chez Book Depository et que j'ai reçus. Je parle pas trop fort parce que ma mère dort à côté. Donc voilà. Alors, le premier livre, c'est The Statistical Probability at Love at First Sight, écrit par Jennifer E. Smith. Ma version, c'est chez Headline. Alors, comme vous pouvez le voir, il est tout petit. Il fait 215 pages, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin, il y a l'auteur qui, il y a une espèce d'interview de l'auteur et qui nous dit les endroits qu'elle préfère à New York ou à Londres. Alors, si ça vous intéresse, c'est une romance, donc. Et si vous avez envie de voir le résumé, il est sorti en France chez Hachette et ça s'appelle La probabilité statistique de l'amour au premier regard. Voilà. Ensuite, je me suis commandé le tome 1 de Hunter's par Cynthia Hand, édité chez HarperTeen, parce que je le voyais partout, pour les gens en français qui lisent en VO. On m'a conseillé, on m'a dit qu'il était bien. Moi, je ne suis pas trop fan des anges, mais là, on m'a dit que la série était pas mal, malgré le thème qui ne me plaît pas des masses. En fait, à chaque fois, les anges, j'ai été déçue. C'était pas à la hauteur de mes espérances. Donc voilà, celui-là, il est plus épais. Regardez-moi comme elle est belle. Oups. Il est trop beau ce livre. En plus, regardez la couverture du tome 2. Ils sont trop beaux ces livres. Je suis impatiente de commencer. Donc voilà. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit du tome 1 de la trilogie Paranormal Sea, écrit par Kirstin White, édité chez HarperTeen également. J'ai un problème avec ça. Voilà. Alors donc, celui-là, il n'y a pas de sortie en France de prévu, il me semble. Enfin, y avait eu une rumeur, mais c'était pour l'année dernière, alors je pense que ce n'est pas vrai. Alors, pour vous donner un peu envie, c'est une fille qui se croit humaine, elle travaille un peu pour la CIA surnaturelle. Sa meilleure amie est une sirène, je crois que son ex est une fée, le mec à qui elle court après est loup-garou. Et il y a un tueur en série qui lui court après. Je crois que c'est ça le résumé. Je viens de recevoir mes livres, j'ai même pas lu les résumés. Je vous ai direct montré la vidéo. Regardez, c'est trop beau! Voilà, j'ai fait ma folie. Alors, sûrement la probabilité, je vais commencer de lire maintenant et je vous le remonte ce soir dans mon C'est lundi. Je vous dis à tout à l'heure!